Merci encore, Daniel. Et donc là, par la demande de la famille, je vais essayer de reprendre le cadre un peu, voilà, un truc vulgarisé. Je ne sais pas à quel point j'arriverai à le faire, mais je vais essayer. Je vais essayer. Donc, après, j'ai passé quelques heures en cherchant dans mes collections photos les souvenirs, et donc j'ai trouvé une photo très sympa où on voit donc Catherine, c'était lors de Pau après ma soutenance en novembre 2005, où on voit David aussi qui est présent là, qui va parler juste après, qui est dans mon respect, les gens qui vont aussi de Big, tout le monde est très content, c'est la fête, c'est après la fête. Et puis, une autre photo aussi très sympa que je trouve, c'était lors de mon départ pour postdoc à Cologne en 2007, organisé, improvisé. C'était une surprise pour moi, c'était très sympa. Donc, et puis, si on continue dans le temps, ah oui, voilà, ça c'était aussi septembre 2007 pour la conférence d'André. Et on voit Catherine avec Daniel, justement, ensemble, en train de discuter autour de. On a le pot. Et puis, on voit Catherine ici, à droite. Et puis, plus tard, c'était très sympa chez André, en 2015. Et puis, 2017, les anniversaires de janvier. Donc, tous ces gens-là, nés en janvier, donc à tout. D'ailleurs, on a perdu cette tradition qui était très sympathique. Il y a plein de traditions pré-Covid qui vont repartir. C'est vrai, c'était pré-Covid. Ouais, ouais. On va en faire du fait. Allez, il faut le faire. Bon, et voilà, je vais essayer de mettre le cadre, le thème de recherche et mentionner quelques résultats. Comme dit André, quand j'ai regardé toute la liste de publications, je me disais, oh là là, ça va être pas possible de couvrir un petit talk. Et puis, mais voilà, juste déjà poser le cadre. Donc, Catherine, elle s'intéressait au plasma spacieux. Le soleil, le vent solaire, interaction avec la magnétosphère, l'onde de choc. On va y revenir un peu plus en détail. Et donc, dans tous ces milieux, les ondes, les émissions des ondes, la turbulence qu'il a étudiée en détail. Et donc, je vais commencer juste, qu'est-ce que c'est le plasma? Si on a le solide qui on chauffe, un morceau de glace, on chauffe un morceau de glace, il devient un eau, donc ça devient liquide. Et puis, si on chauffe l'eau, ça s'évapore, ça devient gaz. Et puis, si on chauffe gaz, on arrache les électrons des ions, et puis ça devient le gaz ionisé. Et donc, tout ce milieu dont s'intéressait Catherine, ben, c'est le plasma, c'est ce gaz ionisé quand on a arraché des électrons, des ions, mais au total, ça fait quand même une quasi-neutralité parce qu'on a le même nombre de plus que des moins. Mais c'est quand même, voilà, le gaz ionisé. Donc, le vent solaire, c'est le plasma. Et c'est l'expansion de la couronne dans l'espace interplanétaire. Et dans le cas du vent solaire, c'est composé essentiellement des électrons et des protons, un petit peu de particules alpha, mais plutôt que des électrons et des protons. Et on voit très bien donc, le vent solaire et la couronne solaire lors des éclipses. Et là, c'est un très bel exemple de 2019. Et ces lignes qu'on voit très bien, les structures, en fait, c'est le champ magnétique. C'est le champ magnétique qui, pendant le soleil calme, c'est plutôt le aimant classique nord-sud avec les pôles où les lignes de champ sont ouvertes, mais en fait elles se ferment quelque part très 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 loin, mais là localement on les voit ouvertes, et c'est là que sort le vent solaire rapide à 800 km par seconde, 600-800. Et puis au niveau des équateurs, on a les au niveau des équateurs, on a les lignes fermées et le vent solaire lente à 300 km par seconde qui sort.
Et donc, André l'a déjà mentionné, ces chiffres de température, donc c'est le plasma assez chaud, mais très, très peu dense. On voit, par exemple, 3 particules par 16 mètres cubes, c'est vraiment rien du tout. Et donc, le libre parcours moyen, c'est une unité astronomique distance solaire Terre. Et donc, le vent solaire, c'est le plasma sans collision. Et du coup, cette physique de phénomènes comme chaud, turbulence sans collision, c'est ça qui préoccupait Catherine lors de sa carrière. D'où on sait que le vent solaire rapide sort des pôles. On a une très belle mission spatiale Ulysse qui a fait le tour des pôles. Et du coup, lors de son passage, dans chaque point, elle a mesuré la vitesse. Donc là, c'est entre 0 et 1000 km par seconde, et dans les 4 directions, en fait. Et donc, on voit que autour des pôles, ça monte vers 750-800. Vous voyez ici et là. Tandis que quand on est au niveau des équateurs, c'est plus petit, c'est 200-300. Et le rouge correspond aux lignes de champ qui sortent du soleil. Et le bleu, ça rentre dans le soleil. Donc, en fait, c'est vraiment le aimant simple. Dipolaire. Et si on regarde maintenant le soleil de pôle, et ça tourne, donc ces lignes de champ qui sont là, forme une spirale. Et on l'appelle spirale par Pythagore, parce que c'est lui qui a proposé que spirale d'Archimède peut expliquer globalement le champ magnétique interplanétaire. Mais ça, c'est une image idéaliste. En réalité, ce champ est turbulent, donc il y a des fluctuations par-dessus de cette spirale. Et donc, dans ce champ interplanétaire turbulent, se baigne notre magnétosphère, la Terre avec son champ magnétique. Donc, voici notre planète Terre. Bon, ce n'est pas à l'échelle, bien sûr, le soleil est très proche sur cette image, il est beaucoup plus loin. Et donc, voici notre planète Terre avec son champ magnétique qui rencontre le vent solaire qui est marqué en jaune. Et donc, la vitesse du vent solaire, comme on vient de discuter, c'est 300-800 km par seconde. La vitesse du son dans le milieu, c'est l'ordre de 100 km par seconde au niveau de la Terre, 50-100, ça dépend du paramètre, mais de l'ordre. Et donc, on voit quand même que la vitesse est plus haute que la vitesse du son, donc le vent solaire est supersonique. Et donc, dans l'écoulement supersonique, devant tous les obstacles, et ici c'est la Terre avec son champ magnétique, il y a l'onde de choc qui est créée, l'onde de choc, voici. Et donc c'est ça qui amusait Catherine pendant longues années de recherche, c'est l'onde de choc, l'interaction avec le vent solaire. Et en effet, le choc sans collision, comme il n'y en a pas de collision, donc il faut quand même transférer cette énergie cinétique vitesse supersonique doit passer à subsonique derrière le champ. Donc il faut quand même transformer cette énergie cinétique vers autre chose. Et il n'y en a pas de collision pour le faire. Et donc c'est les effets électromagnétiques qui jouent le rôle à la place de collision. Et donc l'orientation de champ magnétique, il détermine la physique de choc en fait. Donc, localement. Donc, si les lignes de champ magnétique sont dessinées en bleu là, donc ils ont le long de ces flèches, les lignes de champ, c'est en bleu. Donc, quelque part ici, quand le normal au choc est perpendiculaire au champ magnétique, on voit que le vent solaire, donc ici c'est le vent solaire, ici c'est la région magnétosphère. Donc, le vent solaire est calme et le choc est bien défini. Mais dès que le normal commence à être oblique par rapport au champ, et là, il est parallèle, donc normal et parallèle au champ, on voit tous ces phénomènes de réflexion des particules, ce qui justement dit André avec Catherine, avec André et l'équipe, avec les données de IS2E. Et donc, cette région, on appelle le fond champ. Donc ici, c'est plutôt les électrons qui sont réfléchis, là, c'est les ions. Et donc, Catherine, elle a étudié vraiment, elle a s'amusé à étudier ce qui se passe en amont de choc, donc dans le faux choc, et en aval de choc, dans la magnétochiste en avril, magnétochiste en face. Et donc, voici les premières, la mission avec laquelle elle a étudié le choc. En premier lieu, c'était le programme international
some Earth Explorer, donc c'est une collaboration entre NASA et l'ESA. Et DESPA, il a construit un récepteur radio qui m'a exposé dans la vitrine de 2016. On va le visiter pendant le post-midi, par exemple, et voir cet instrument. Et donc, c'était la première mission qui avait déjà plus qu'un satellite. Donc, il y en avait deux satellites qui suivaient un l'autre pour pouvoir mesurer les différences du temps de traverser des frontières pour essayer de résoudre cette ambiguïté de temps d'espace. Parce que quand on fait des mesures avec un seul satellite le long de la trajectoire, on ne sait pas si ces mesures qu'on fait, c'est dans le temps ou dans l'espace. Parce que mais dès qu'on a deux satellites, on peut commencer à résoudre cette ambiguïté. Et puis, il y en avait un troisième satellite posé dans le point d'équilibre gravitationnel entre la Terre et le Soleil, qui est beaucoup plus proche de la Terre. Ça s'appelle le point Lagrange, et en récurrence, le point Lagrange numéro 1. Voilà pour cette mission. Et donc, les premiers articles, c'était les émissions radio. David, il va sûrement parler un peu plus en détail. C'est son article, un premier auteur, David Bogèze, Chris Hervé, Jean-Louis Stenberg et Catherine Macombe, où ils ont observé pour la première fois les émissions radio sur la fréquence plasma et double fréquence plasma dans cette région Fourchon. Bon, fréquence plasma, je ne vais pas rentrer en détail, mais c'est proportionnel à la racine carrée de densité du milieu. Et pour faire juste... C'est complètement autre physique, mais ça me fait penser cette FP, double FP, à cette à arc-en-ciel et le deuxième arc-en-ciel qu'on voit des fois après la pluie. Donc voici ces premières observations. Et puis Catherine, il a s'intéressé à comprendre d'où ça vient ces émissions, leurs sources. Et donc dans l'article 88 avec les collaborateurs, ils montrent que ça vient plutôt de cette ligne tangente au choc. D'ailleurs, c'est très intéressant, c'est là que je vais pouvoir en préparant cette présentation. Si on peut discuter après pendant la pause, qui vont m'expliquer pourquoi c'est venu ici, peut-être d'aller planifier ça. Et puis, donc ça, c'était en amont de choc, et puis en aval de choc. En aval de choc, c'est la région turbulente. Région magnétogène de la Terre. Et avec les mesures du IS2E, déjà, Catherine Grobartor, Daniel qui est là parmi nous, il va peut-être parler plus en détail. Donc, ils ont observé pour la première fois le monde miroir, c'est les bouteilles magnétiques où les particules sont piégées. Donc, quand on traverse ces bouteilles magnétiques, on traverse les régions du sud quand il y a plus de densité et puis moins de densité, plus de densité. Du coup, ça fait des bosses de densité comme ça. Et en même temps, ici, où il y a le montée de densité, le champ magnétique est moins important. Du coup, ça fait cette anticorrelation entre le module de champ magnétique et la densité. Donc, et puis, il y a aussi des ondes halvaines qui interagissent avec les ions, du coup, on les appelle les halvaines ion spectrons, c'est les fréquences proches de résonance des ions. Donc, ce type d'ondes que Catherine, avec les collaborateurs, étudie en détail avec les S2E. Et puis, il y a un article de revue fait avec Jared Bilmont, où il s'est présent. Donc, je vais parler un peu plus en détail dans ma présentation scientifique après. Donc, ça, c'est l'époque de IS2E et puis lancement de cluster. Pour étudier l'interaction du vent solaire avec la magnétosphère, faire les mesures en trois dimensions et résoudre vraiment cette ambiguïté de temps d'espace, maintenant vraiment avec quatre points, ça devient beaucoup plus sûr qu'avec deux points. Et puis, initialement, cluster était la charge utile gratuite pour le lancement de toute première Ariane 5 qui était explosée à décollage 4 juin 1996. Donc, c'était une terrible nouvelle pour la communauté en Haïti. Mais ce qui est une petite anecdote de la maison, c'est quand l'instrument récupéré dans les marais
par les militaires ou par les pompiers, je vois différentes sources, différentes informations de différentes sources, quand l'instrument construit le récepteur radio, construit le DESPA, était récupéré, nettoyé et séché, il était toujours fonctionnel, donc c'est quand même incroyable. Et il est exposé aussi dans la vitrine de bâtiment 16, bâtiment de Jean-Louis Stendhal. Et puis au pont mémorable consoler pour cette non-réussite d'organiser au DESPA, et puis l'instrument est trôné au milieu de plateau de fruits de mer. Voilà, une petite histoire. Et, mais donc, en 2000, deuxième version du cluster, heureusement, il était reconstruit. C'était aussi pas évident de retrouver l'argent au niveau de l'ESA pour reconstruire le satellite. Et là, NASA, elle a bien aidé. Il s'était lancé par deux avec deux lancements de Salyut, de Baïkonour, en juillet et en août 2000. Et donc, avec Cluster, là, j'ai arrivé à faire ma thèse. Justement, j'ai eu trop de chance que... Donc, il était lancé en 2000 et j'ai commencé ma thèse en 2002. Donc, les données étaient déjà bien calibrées. C'était super. Et puis, on a commencé à regarder le premier traversé de choc avec les clusters. Donc, déjà, on a pu déterminer les propriétés des ondes avec les vecteurs d'ondes exacts et tout. Pour la première fois grâce à 4 satellites, mais en plus, on a découvert des tubes magnétiques qui portaient le courant cyclonique dans ce milieu. Donc, enfin, on a compris que c'est les vortex. Si on coupe maintenant ces tubes et on regarde le plan de. On voit que ça ressemble à un vortex comme dans la rivière, des vortex ou des nageurs, comme ça. Donc, c'est les vortex avec les propriétés particulières qu'on appelle les vortex d'Allen. Et donc, on a vu aussi que dans les régions où il y a des ondes, les statistiques sont plus ou moins gaussiennes, mais quand on regarde les régions avec ces filaments de courant, les fluctuations deviennent non gaussiennes. Et ça nous fait penser à l'intermittence de la turbulence. Qu'est-ce que c'est l'intermittence de la turbulence et qu'est-ce que c'est la turbulence? Donc, on revient vers le 16e siècle. Et voici une très belle représentation de Léonard de Vinci, des tubes d'eau et de chute d'un courant d'eau dans un bassin. Donc, on voit qu'il y a l'eau qui arrive et ça génère toutes les tailles, les tourbillons de toutes les tailles. Et on a l'impression que c'est le chaos complet, c'est imprévisible. Mais ce qui est rigolo avec ce système, que les propriétés statistiques sont universelles. Donc, en gros, la première propriété statistique, et j'ai remercié André pour cette chemin du spectre qui m'a fabriqué pour ma séquence de thèse, je pense. Merci. Tu ne te souviens pas? Et donc, c'était pour une des congrès, mais c'est, voilà, merci André. Donc, première propriété statistique, c'est si on range ces tourbillons en taille, donc là, c'est L, c'est le taille, donc K, c'est le taille à l'envers, donc 1 sur L. K, on appelle nombre d'ondes. Donc, si on range ces tourbillons en taille et en énergie, en gros, la différence des flux de vitesse dans les deux points au carré, c'est ici, et les tailles à l'inverse ici, ça suit toujours une ligne droite entre l'échelle d'injection d'énergie et l'échelle où ça se dissipe par les collisions, par les fluides. Et donc, cette loi, elle suit K moins 5 tiers, expliquée par Kolmogorov en 1941. Et puis, ça donne une idée de cascade, que ces grands tourbillons qui sont là, les grandes, ils se cassent à plus petits de manière similaire. Donc, on a les grands tourbillons qui se cassent en deux et puis en plusieurs jusqu'à l'échelle dissipative. Mais cette image, très jolie image de cascade similaire, il ne décrit pas cette propriété, deuxième propriété universelle de tous les turbulent, c'est cette déviation de gaussien. Si aux grandes échelles, c'est plus ou moins gaussien, quand on va vers les petites échelles, c'est donc qu'est-ce qui est non gaussien? C'est les fluctuations. Les fluctuations, c'est les différences entre les deux points des milieux de vitesse. Donc,
différence de point là, c'est grande échelle, et les différences ici, c'est petite échelle. Et donc, vers les petites échelles, c'est moins en moins grossier. Et c'est ça qu'on appelle l'intermittence. Et c'est ce qu'on a vu donc dans la magnétogène avec ces filaments de courant cylindrique qui nous fait penser que le magnétogène, ce n'est pas que la mélange d'ondes, mais il y a aussi ce phénomène non linéaire, turbulence. Et du coup, on a commencé nos études sur la... On a vérifié déjà cette propriété universelle. Le premier propriété universelle, c'est le spectre dans cette région turbulente avec les données clusters. Et là, on a combiné les instruments pour couvrir toutes les échelles possibles qu'on a pu mesurer. Donc là, c'est un instrument des magnétomètres qui mesurent des très, très grandes échelles, jusqu'à 10 puissance 6 km, 1 million km, quelque part par là. Et puis, là, on arrive ici aux échelles de rotation des particules autour du champ magnétique. Et là, le spectre change son allure, donc ce n'est pas exactement la même chose que dans les fluides classiques, comme dans la rivière ou dans l'océan. Il y a quelque chose d'autre qui se passe dans ce milieu non collisionnel du plasma. Et puis, on a une autre loi de puissance. André l'a déjà montré tout à l'heure dans sa présentation. Et là, on arrive avec l'instrument STAR d'aller jusqu'à les échelles de 1 km et même plus petit, quelques centaines de mètres. Et il faut dire quand même que l'instrument STAR, c'est l'instrument qui reste aujourd'hui, malgré des nouvelles missions spatiales, il reste quand même aujourd'hui le plus sensible au monde pour résoudre ces échelles, ces toutes petites échelles dans le plasma. Et puis, on a osé de sortir dans le vent solaire avec Cluster. En effet, Cluster est la mission pour étudier l'interaction du vent solaire avec la magnétosphère, donc son trajectoire et cette ovale orange. Et donc, il est souvent dans la magnétosphère, et en plus, quand il est dans le vent solaire, normalement là, il peut être dans le foreshock. Vous voyez donc cette région qui est réflexion des particules de surface du choc. Donc, on a eu de la chance d'avoir quand même les mesures des ondes très très haute fréquence de l'angle mur qui nous donnaient ces signatures de foreshock. Donc, dès qu'on est dans le foreshock, il y en avait cette ligne rouge qui sont les ondes de l'angle mur qui apparaissent. Et quand il n'y en a pas, ça veut dire qu'on est dans le vent solaire plus ou moins... donc, on n'est pas dans le foreshock, on est dans le vent solaire libre. Et ça se trouve que, donc, si maintenant on regarde ici, si le champ magnétique est perpendiculaire à cette ligne orange qui est la vitesse, c'est là qu'on est dans le vent solaire libre. Mais dès que le champ magnétique est aligné avec la vitesse, il va toucher le champ, on sera dans le fourchamp. Donc, du coup, notre étude du vent solaire avec cluster est possible que quand l'angle entre ces deux lignes, blanc et jaune, est plus grand que 65 degrés. Et donc, voici les mesures qu'on a pu faire dans le vent solaire avec cluster. Et c'est le premier spectre qui montre cette courbure exponentielle aux échelles électroniques avec STAF. Et puis, j'avais mes congés maternité après 2009. C'était 2010, naissance de ma première fille. Et pendant mes congés maternité, Catherine, elle a fait un super travail de collecter les données, centaines des intervalles dans le vent solaire libre, qui étaient justement assez difficiles à attraper avec cluster. Et donc, elle a trouvé centaines des intervalles sur lesquels, après mon retour de congé maternité, on a fait une étude statistique. Et on a compris que pour n'importe quel type du vent solaire, rapide ou lente, plus ou moins dense, les paramètres changeaient. Mais la forme de spectre sur ces échelles est restée toujours la même. Et donc, on était très fiers de publier ces résultats de forme universelle aux échelles cinétiques et jusqu'à les échelles, donc là, c'est des échelles des électrons, cette courbure qui va aux échelles de sable électronique. Mais des fois, quand même, il y en avait des cas quand le spectre n'était pas exactement comme ce spectre observé la plupart du temps. Donc, nos collègues au LPP, ils observaient aussi des spectres avec des breaks ou aussi avec Catherine, on a vu des spectres avec des bandes. Et alors, qu'est-ce que c'est ces breaks et des bandes? Pourquoi ça se divise de cette loi plutôt générale des courbures simples?
Et en fait, en étudiant en détail différentes données, donc de différents jeux de données, on a compris que les spectres classiques avec la courbure exponentielle, ça correspond à la turbulence du fond quand les vecteurs d'onde sont plutôt perpendiculaires au champ magnétique et les fréquences est zéro, ça veut dire que c'est juste les plus ou moins structures convectées par le vent solaire. Et ça, c'est l'article 2017 dont Lorenzo il va parler plus en détail. Et puis, quand il y a des petits breaks, c'est quand il y a des ondes d'Whistler sporadiques avec les vecteurs d'onde plutôt parallèles. Ça veut dire que l'onde Whistler se propage le long du champ magnétique. Et donc là, c'est les signatures de ces ondes pendant cet intervalle sur cette fréquence-là. Donc, en gros, ici, on a la superposition de deux phénomènes. La turbulence de fond plus une onde qui se propage sur complètement d'autres fréquences et les différents vecteurs d'onde. Et puis ici, il y a beaucoup d'ondes dans l'intervalle, on observe les bandes. Donc dans ces bandes, il y a des ondes, des longs paquets d'ondes. Et donc ça, c'est un des exemples de statistiques de Catherine sur ces ondes de Whistler dans le vent solaire, dont c'était le premier article des études statistiques de Whistler dans le vent solaire, qui sert toujours la référence en ce moment pour nos études et toutes les études d'aujourd'hui avec Parker Solar Probe, de nouvelles missions spatiales et Solar Orbiter. Donc voici pour les spectres. Et maintenant, juste quelques mots sur l'intermittence. Donc, c'était déjà connu que l'intermittence est présente dans la turbulence du vent solaire. Et pour le vent lent et pour le vent rapide, on observe à très grande échelle ces distributions plus ou moins gaussiennes. Et quand on va vers les petites échelles, donc il y a cette déviation de la gaussiennité. Et c'était toujours attribué aux présences des structures cohérentes aux formes de couches de courant. Et puis, grâce aux mesures de cluster, on a pu montrer dans notre équipe avec postdoc Denis Perron et Catherine que cette longue gaussiennité aux échelles à la fin de cascade n'est pas que des couches de courant, mais il y a aussi des solitons. Donc ça, c'est voilà, un petit chapeau comme ça dans le module du champ magnétique, donc des solitons complicibles. Et avec un satellite, on a pu estimer leur vitesse de propagation qui était supérieure à la vitesse du vent solaire. Donc, elle se propage vraiment dans les repères du plasma. Et puis, il y en avait aussi des vortex, comme on a vu, donc des tubes comme ça, comme on a vu dans le magnétogène. Donc, voici ce qu'on a pu faire avec Catherine et avec les belles données de cluster. Donc, merci beaucoup, Catherine, pour ta rigueur, pour ta gentillesse, pour ton aide tout le long de ces recherches si joyeuses et agréables de faire. Merci. Est-ce que vous avez pu suivre un petit peu? Moi, j'ai une question. Le petit œil de couleur arc-en-ciel que tu mets un peu partout, qu'est-ce que ça représente? Celui-là. Parce que c'est justement un tourbillon dans un fluide. Oui. Tourbillon dans un fluide, quand vous regardez le pied de pont, vous êtes sur le pont, vous regardez le pied, il y a l'eau autour, il y a des tourbillons qui se créent, qui restent. Et donc, en fait, on observe exactement le même dans l'espace. Et dans les trois dimensions, ça fait une tube. En fait, ça fait un tube, mais si on coupe le tube, ça fait soit un rond complet, soit un petit nageoir comme ça. Donc, c'est ça qui, avant cluster, c'est ces fluctuations qui étaient observées de ce genre-là. Ils ont été souvent interprétés comme des ondes, comme des ondes planes, comme une onde sympathique. Et puis avec la sonde, on a pu localiser dans l'espace que ce n'est pas du tout une onde plane, mais que c'est vraiment localisé comme une tube. C'est ça la nouveauté grâce à Cluster.
On peut utiliser l'image d'une tornade qu'on voit parfois. Ah oui, exact. Les tornades, ça fait ça aussi. C'est des longues. Les fonds d'eau qu'il y a parfois en Méditerranée. Ouais. Ou dans le baignoire, quand vous remplissez le baignoire, après vous le faites sortir l'eau, à la fin vous avez le tourbillon qui. Ça jaillit pas. Non, ça jaillit pas, mais ça fait le. Il y a Lia qui avait la question. Oui, c'était une question sur l'ensemble de ta présentation, mais je ne sais pas si c'est pour toi ou pour un peu toute la salle. C'est que je trouve que quand on écoute ce que tu as dit, je trouve que c'est intéressant de voir que la carrière de Catherine, elle n'est pas du tout dans les standards des carrières de chercheurs qu'on promeut aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de demande de financement, il n'y a pas de. Je suis un peu traumatisée par les demandes de financement en ce moment, mais ce que je veux dire, c'est que je trouvais ça assez génial de voir cette recherche vraiment du long cours avec des collaborations à très très long terme et avec etc. Et du coup, voilà, c'était une question un peu à mes collègues plus âgés de est-ce que c'est encore possible aujourd'hui de faire une carrière comme celle de Catherine ? Les standards actuels, pas vraiment. Mais bon, c'était quand même beaucoup plus commode dans la jeunesse. Surtout au département, on avait un financement quasiment assuré par CNES. Et puis, on faisait ce qu'on voulait, grosso modo, dans la mesure où il fallait quand même se rattacher au département. Catherine, c'est un exemple de la personne bien insérée. Elle a fait très peu de collaborations. Elle a peu d'articles tout seul, un peu plus d'articles premier auteur. Et elle est souvent citée en deuxième ou troisième position, alors qu'elle a apporté une contribution extrêmement importante. Elle est souvent aussi à l'origine de toutes ces études. Elle est très orientée, enfin, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais autant de détails. C'est plus fort, je le dis, s'il te plaît. Moi, je n'attends pas. Elle est aussi très orientée, détails, c'est-à-dire. Finesse, etc. Et on arrive à aller vraiment au bout des choses. Ça, c'est très caractéristique de Catherine aussi. C'est pas comme beaucoup de cas maintenant, dans certains papiers qu'on voit, dans les lettres, etc. C'est un truc assez vite fait parce qu'on a besoin de publier. Catherine, c'était l'opposé. Par exemple, moi, je n'ai jamais eu de demande de crédit à faire. Ouais. pour ces derniers travaux que j'ai présentés, j'ai quand même fait une demande de postdoc pour Denis Perron et au niveau de l'Observatoire, mais c'était pas très lourd. Mais quand même, il fallait gagner la bourse. Et puis pour les détails, comme disait Daniel, Vladimir Krustaselski, qui ne peut pas être aujourd'hui, il a s'excusé et puis on a discuté avec lui. Il m'a dit que c'est toujours agréable de lire des articles de Catherine, André, parce qu'il y a toutes les possibilités sont vérifiées. Donc, s'il y a une interprétation, ça veut dire qu'elle est vraiment basée sur. Il y en avait tout été vérifié, tout été enlevé, ce qui n'est pas possible, et donc c'est solide. Oui, c'est ça que je trouve génial, parce qu'aujourd'hui, avec la pression qu'on a pour publier vite, etc., on a moins le temps de faire ce travail vraiment de fond. Et du coup, je trouve ça c'est bon. Je fais la réflexion en t'écoutant que c'était l'impression de parler de la carrière scientifique d'un chercheur que je ne pense pas que les gens de ma génération pourront faire ce genre de choses. Bah, il ne faut pas trop aller aussi dans les extrêmes. Ça sera quand même récompenser les choses faites au fond, même si ce n'est pas 10 articles, mais une ou deux. Ça va être quand même récompensé parce que il faut pas s'inquiéter. À titre historique, je peux vous présenter mon cas. Je suis rentré au CNRS
il y avait 3 postes ouverts et 2 candidats. Donc, je n'ai pas eu d'angoisse. Ensuite. On ne peut pas raconter comment c'était. C'est pas possible de raconter maintenant. Hein, donc il fallait faire sa thèse, mais on ne pouvait rien publier avant avant la soutenance, parce que ça devait être nécessairement original au moment de la soutenance. Donc il y avait 3 ou 4 ans où on ne publiait rien par principe. Alors, le grand risque, c'était sans. Bon, ça avait un certain avantage, mais il y avait le grand risque si on travaillait sur un sujet un peu à la mode, ben, il y a quelqu'un qui publie en cours de route, et à ce moment-là, on se retrouvait le bec dans l'eau. Ouais. Moi, je dirais, moi qui ai aussi connu Catherine, je dirais que ça dépend aussi de la personnalité des gens. Oui. Catherine, clairement, elle n'était pas motivée par sa carrière. Disons, avancée dans les échelons, avancée, passée directrice de recherche ou je ne sais pas quoi. Il n'empêche qu'elle faisait une recherche de fond et elle était plus motivée par ce qu'elle faisait que plus par sa carrière. Donc, je pense que ça dépend de la nature des gens. La nature de Catherine, c'est celle-là. C'est effectivement de se focaliser avant tout sur la science et la physique. Sans forcément penser à elle en tant que promotion. Oui, mais c'est juste que je me demandais si aujourd'hui ce serait encore plus faisable. Tu vois ce que je veux dire? Ça, je ne sais pas. Je pense que une fois qu'on est rentré, une fois qu'on a un poste, on mène chacun sa carrière. Donc, c'est sûr qu'on a plus de pression de nos jours qu'il y avait peut-être, comme disait André à l'époque. Mais après, ça dépend de la nature des gens. Il y avait à l'époque de Catherine aussi des gens qui. Probablement de ses collègues dans l'observatoire ou ailleurs qui pensaient plus à leur carrière. Mais au début, il faut quand même noter que les gens du CNRS n'étaient pas fonctionnaires. Donc, ça ne pouvait pas être la sinécure, hein, c'était pas ça du tout. Hein. Tu suggères de défonctionnariser. Non, pas du tout. Non, non, mais c'était pas tout simple non plus. Hein. Je pense que quand les gens du CNRS ont été fonctionnaires, c'était quand même plus bon. Ce que je voulais dire, c'est que Catherine ne faisait pas la pression. Chacun faisait son choix. Mais elle produisait quand même de la science très intéressante. Et elle en faisait bénéficier d'autres, clairement. Donc, la conclusion qu'on peut tirer de ça, c'est que la pression excessive, le jugement sur la base de notes attribuées de manière relativement arbitraire par des gens qui ne connaissent pas le sujet, ça me paraît plutôt négatif que positif. C'est pas simple. Je pense que les critères de jugement actuels contiennent une part un peu excessive d'arbitraire et ça empêche finalement les gens de s'intéresser à beaucoup de sujets. Normalement, un scientifique arrivé à un niveau relativement élevé devrait avoir une culture générale très large et avoir produit des choses dans plusieurs domaines. Or, c'est quasiment incompatible avec la pression actuelle. Si on change de sujet, ça prend 2 ou 3 ans pendant lesquels on ne publie pas par principe. Et ça me paraît incompatible avec les règles modernes. Et je trouve ça très dommageable. Attends, je dis ça. Ouais, merci beaucoup, André. Merci tout le monde pour ces discussions. So we go ahead with presentation from David. In French or in English?